En attendant, nous allons à Kidal, où 350 déplacés de la région qui ont rejoint le Bercail vont commencer l'année 2014, en tout cas de manière festive. Ils viennent de bénéficier des vivres et autres dons d'une valeur de 15 millions de francs CFA, un geste de l'ONG Solidarité pour le Sahel et son partenaire, le pays DRK, l'opération de distribution avec Timoko Sagara. Plus de 350 déplacés revenus à Kidal ont la joie au cœur en ce début d'année 2014. Ils vont bénéficier de vivres et des non-vivres composés d'huile, des ustensiles de cuisine, du lait, des couvertures, des seaux, des sacs de semoule et des kits pour le lavage des mains au savon. Est-ce que tu es content? Je suis trop content. Je les remercie beaucoup. Vraiment aujourd'hui, je suis bénéficiaire, donc je suis très 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 content. C'est vraiment le moment parce qu'on assiste les gens au moment où ils en ont besoin. On souhaite vraiment à ce qu'elle continue sa contribution toujours pour la population vulnérable. Cette opération ainsi lancée à Kidal couvre toutes les 11 communes de la région. L'œuvre a coûté au pays d'Erka plus de 15 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre est assurée par Solisa, Solidarité pour le Sahel. La sélection a été très difficile. Il y a beaucoup de retournés, des pauvres, et puis on cherche les plus pauvres des pauvres. Donc ça, c'est la condition pour avoir une ration, donc il faut être parmi les plus pauvres. Au cours de cette cérémonie, une séance de démonstration de lavage des mains au savon a été faite pour la promotion de l'hygiène dans les familles. Cette distribution, ça coïncide avec le froid, ça coïncide avec une période de soudure. Vraiment, le geste, il est louable à plus d'un titre. Les élus, tout comme les bénéficiaires, souhaitent la multiplication de telles actions humanitaires afin de soulager les personnes démunies de Kidal.